Attendez que j'ai fini ma maison, tu viens t'asseoir dedans. Les hommes qui calculent la maison des abeilles, que je vois comme ça là que je suis toujours sur la route en train de voir. Un homme va venir se coucher au lit et péter dans mon lit que je. Quoi? Péter dans mon lit, aller pisser dans mes toilettes, comme si c'est lui qui avait, comme s'il avait. Non, si, Weti. Maman. C'est le plan, hein? Ah ouais? Ah bah. Et puis, mon chat, je vais te coucher dans mon. Dans mon manoir. Ah bon? Et les hommes, que j'ai couché avec elle. Puis dans un bordel comme moi, tu crois que pour moi coucher c'est quoi? Moi je wanda. Puis dans un bordel, tu crois que. Mais coucher c'est quoi? Ah, malchance. Donc c'est un gars, c'est venu. Oh wow. Erika, hein? Ah, malchance. Et puis les nyama nyama là sont là. On veut vous niasser, on prend mon nom, mais devant. Et que vous voyez que Fleur de Lis, vous partez écarté. Respectez-vous. Vous voyez comment écarté n'importe comment. Avec tous les. Je vais m'asseoir et je vais faire mon droit de répondre une fois pour toutes. Je pensais que en amitié, on se respecte. Que quand tu es un ami ou un ami, tu ne peux pas permettre qu'on lui dise n'importe quoi. Tu peux ne pas dire devant les gens, mais derrière, tu essaies de dire non. Il faut avoir du respect pour elle parce que moi, je ne suis jamais sortie avec. Donc, c'est pas... Mais c'est quoi? Oh! Massa! Coco! Mon pistage est comment? Hein? Bon, tu as Agnès, mon pistage. Tu as vu mon pistage? Mon haricot est comment? Mon haricot? Il y a la boucle sur mon haricot ou pas? N'importe quoi. Et moi, quand on met le mauvais là, on sent. Lui, des hommes, c'est le la-la-la. Avec le mixage et le dexérine. Maman. Oh. Mais quelqu'un se lève comme s'il s'attaque à toi pour rien, pour se faire voir. Quand le game de quoi? Il fait le game avec vous. Malchance. Et le bisou. Ah bon? Ma copine m'envoie la vidéo du poulet qui est. Oh, regarde. Plus la livraison. Elle va. Regarde, 14 000 poulets que tu as jeté, non? Elle dit que maman, regarde, il n'y a même pas la peau sur le poulet. Ils ont enlevé les plumes et la peau du poulet même. Et vous postez la vidéo de ça. Ouais, j'ai seulement calmé. Hein? Oui, c'est quoi ça? Avec la livraison, c'est quoi ce genre de poulet? Maman. Oh wow. Le gouvernement ne partage plus l'argent. Tous ceux qui vont créer les choses pour escroquer le Cameroun, il n'y a pas les dons. Il y a déjà assez de problèmes comme ça au Cameroun. Donc arrêtez d'aller créer les petites entreprises bracatabou fait le gouvernement. Les projets de ça. Ils ont tous les projets des milliards. Oh, oh, tu comptais pour ça pour venir me douter. Pour venir m'épouser. Je peux épouser un homme qui n'a rien mais qui me respecte. Frère n'importe quoi. Aussi. Ah. Maman. C'est quoi? Ah. Wonderful. Non, je veux pas. Pour la belle fille dans leur famille Fleur de Lis, maman. Hein? Le rêve de beaucoup. Que la femme là qui pouvait lui donner à mon frère. Vous croyez que quoi? Wonderful. Regardez, je suis sur la route comme ça. Demain encore, je suis sur la route, je gare là-bas à l'aéroport. Direction le Cameroun. Vous croyez que c'est facile de monter et de descendre comme ça, hein? Et puis les gens vont venir cracher sur ce que je... Venir me parler n'importe comment.
Non, il va falloir qu'on discute. C'est comme ça, c'est pas. Attendez, on est où là? Mais il faut arrêter, tu peux pas te permettre. Tu t'assois sur Facebook tout le temps. Et puis tu m'insultes, tu me manques le respect, tu me méprises. Mais attends, c'est quoi ce truc? Attends, le péage. Oh, j'ai même faim. J'ai faim, hein, je te jure. J'ai gros faim là. Parce qu'on a des que Facebook. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens connectés. Quand il y a beaucoup de gens connectés, il faut dire du n'importe quoi aux gens. Hein? Mon frère. Il faut. Attends, dans la vie, il ne faut pas être maladroit comme ça, non. Une fois, deux fois, non, mais trois fois, c'est trop. Trois fois, c'est beaucoup. Hein? Pas faire croire ce qui n'existe pas. Moi, si je veux qu'un homme me gnasse, je n'ai pas besoin de dire que telle méditation, allez d'abord faire ceci, non. Vous prenez tous les problèmes des gens après, oh, j'ai défendu. Il faut arrêter. Et puis je vois les gens, oh, t'avais défendu. Moi-même, j'ai une grande gueule. C'est passé d'essayer de rester. Arrêtez un peu souvent de faire que vous venez défendre les gens sur Facebook. Après, ça doit être comme un truc qu'on a mis à la gorge de quelqu'un. Dieu merci, je n'ai jamais appelé quelqu'un sur Facebook, dit que ouais, pardon, fais-moi un direct, défends-moi. Pourquoi? Pour que demain, ça devienne le chantage. Mais si au moins, j'ai dit que mieux les faux profils même qui nous suivent là. Parce qu'eux, ils ne cherchent pas la Stamania. Mieux nos FP qui nous suivent là. Ils sont dans le noir, ils nous suivent avec leur faux profil, sans intérêt. Tous ceux qui viennent avec le visage là, c'est toujours la visibilité. C'est au début d'abord ce que j'étais. Après, ça change. Après, ça devient. Tu deviens redevable comme si. Mais arrêtez un peu. C'est comment, non? Tu redeviens redevable. Un petit truc, non, j'avais soutenu. Un petit truc, j'avais soutenu. Mais il faut arrêter. On vous appelle de venir soutenir. Tu soutiens quand tu veux. Tu as envie, tu le fais de ton gré. Tu mets ta. On ne vous force pas. Vous soutenez les gens souvent. Vous nous soutenez aussi pour la visibilité. Parce que vous voulez que nos fans viennent s'abonner à vos pages. Du coup, vous faites quoi? Oh, je soutiens tel, je soutiens tel. Quand ça ne va pas, vous changez de côté. Ça tourne, vous tournez partout. Parce que vous voulez avoir les fans de toutes les teams. Est-ce que vous faites ça pour rien? Parce que vous gagnez. Vous ne soutenez pas trop parce que vous nous aimez. Vous soutenez parce que vous cherchez la visibilité. Parce que vous cherchez que tous les fans s'abonnent. Et derrière, vous profitez. Mais vous n'allez jamais avoir ce que nous, nos fans nous donnent. D'accord? Vous n'allez jamais avoir ce que nos fans nous donnent. Ce que nos fans nous donnent, c'est pour nous. Allez faire pour vous, non? Pourquoi vous êtes toujours obligé de venir avec nos noms? Oh, je soutiens tel. Je suis venu pour combattre pour tel. Oh, je l'ai soutenu. C'est pourquoi? Ils sont obligés. Hein? Et dit que mieux même les gens que nous soutiennent dans le noir, là. Vraiment. Chaque fois quand quelqu'un vient avec son visage, pour finir, mais tu deviens endetté comme si tu avais appelé au secours. Hein? C'est quoi? Tout le temps, il faut toujours que ça soit dans le. Hein? Et il faut voir, vous les fans aussi, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes là pourquoi? Pour nous défendre. On ne crache pas sur quelqu'un qui vient te défendre. Mais arrêtez souvent de faire comme si c'est que non. Arrêtez un peu. Les gens voient les choses qui sont sur Facebook. Chacun veut se faire voir, il vient aussi parle. Après, ça devient que. Oh, j'ai supporté. J'ai fait les. Mais arrêtez. Arrêtez. On n'est pas obligé de reconnaître. Quelqu'un peut me faire un direct, me soutient, ne partage pas, c'est obligé. N'importe quoi. C'est tout comme ça. C'est toujours comme ça. C'est quoi? Si je vais à la marée, besoin qu'on me donne un mariage. Il fallait soutenir tel. Tel t'avait fait la vidéo pour te soutenir. Le partage. Parce que vous les fans, vous aimez donner les ordres aux gens. Arrêtez de nous dire de partager si de partager ça. Non, on n'est pas obligé. Regarde ce que ces gens-là se retournent après, ils deviennent. Une fois qu'on les a donné la visibilité, ça devient quoi? Hein? Hein, il faut partager alors. La personne a dit de bien parler de toi. Même si quelqu'un parle bien de moi, il ne partage plus. Erika, hein? Je parle comme ça pour ne pas dormir, non. Je suis sur la rue, je suis fatigué. J'étais plus en commentaire, non. Même si quelqu'un parle bien de moi, il ne partage pas. Coucou, Priscaline. Tu es belle. Tu es comme Virus Lydia quand elle était jeune. Bon, elle est toujours jeune, mais bon, quand elle n'avait pas encore l'équipe de foot.
Chaque personne qui vient soutenir, il cherche les vues. Hein? Et puis vous allez vous commenter partout, partout. Hein? Dès que quelqu'un dit, quand j'aime ma foi, vous êtes déjà là-bas. Hein? J'aime Fleur de Lille, vous êtes déjà là-bas. Oh, la personne t'aime trop. Partage. Il faut partager. Il faut aller voir telle. C'est vous qui m'envoyez rendre visite aux gens. C'est la dernière fois. Vous avez compris avec quoi? Quelqu'un, hein? C'est comme ça. Vous comprenez que les réseaux sociaux que vous voyez là, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont là seulement pour détruire les autres. Ah, va aller voir telle. Telle personne t'avait défendu. La personne a eu un problème. Va aller saluer la personne. Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi vous voulez-tu que les gens passent dans la vie réelle? Une amitié peut rester virtuelle, même virtuelle pour toujours. Il y a les très bonnes personnes. Il faut les voir. Ma faute, oui, ne réponds pas. On peut dire quelque chose sur toi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur moi? C'est la dernière fois. C'est quoi? C'est moi qui sais que je n'ai eu aucune relation. Une ancienne bordel. Merde. Donc je perds de la gnasse. Je choisis avec qui je gnasse. Je choisis avec qui. Il y a quoi? Merde. Fais-moi les choses comme ça. Je dis que, comme vous aimez alors que certains hommes viennent vous draguer avec le nom des autres, je suis sorti avec elle. Je suis sorti. Pourquoi? Juge quelqu'un par rapport à comment la personne avec toi. Il faut toujours comprendre que quand un homme parle déjà de l'ancien, ça veut dire que même de toi, il va toujours parler. C'est quoi? Vous venez soutenir les gens, après ça donne la corde au cou. Avant de venir soutenir, vous faites d'abord les tours, non? Vous partez là où il y a votre profit. Mais est-ce que vous testez les teams là, non? Vous faites d'abord tout le tour. Vous ne faites pas à mon nom. Si je veux faire, je viens, je parle. Parce que ça tourne tout comme ça. Après, ça devient que oui, je l'avais défendu. Tel jour, tu défends quand tu défends pour toi. Vous mangez derrière nos fans derrière. Vous n'avouez pas. On a les comptes à rendre dans votre dent. Donc, tout ce qu'on fait, on doit vous dire. Parce qu'on nous a soutenus. Ça devient une dette morale. Arrêtez un peu. L'amitié virtuelle est une amitié virtuelle. Mais ce n'est pas possible, arrêtez un peu. Vous avez des amis avec qui vous avez grandi. Vous avez vos amis, non? C'est quoi? Un petit, chacun veut chercher à se faire connaître. Et les tourbillonnements de Facebook. Les gens qui changent comme le pour se faire voir. Hein? Je dis que ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vient mettre sa caméra pour dire que... Oh, je suis avec toi, Abby. Ne faites jamais confiance à ces gens-là. Je dis que... Ces gens-là qui viennent là, quand vous mangez, ça ne vous dérange pas. Pourquoi vous mesurez à ce qu'on nous donne? Vous vous mesurez. Si on nous donne 100 étoiles, on va vous donner aussi 100. Pourquoi? Même 10 déjà qu'on vous donne, c'est beaucoup. Après, je ne profite pas. Parce que vous voulez, quand vous voulez la sortir, m'afficher le candidat. Pourquoi qu'elle insulte, ça tue qui? C'est quoi ce chantage? Tous les jours, les gens se lèvent pour faire les chantages aux autres. Vous insultez, ça fait quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit? Vous allez insulter quoi aujourd'hui qui va dépasser ce que vous avez fait? Hein? Il faut toujours que vous fassiez inventer les choses derrière. Inventer un petit truc. Oh, tel a dit que ça veut dire que vous analysez pourquoi? N'analysez, on veut parler, on parle. Hein? Et puis vous êtes là, les fans. Quand quelqu'un décide de parler de nouveaux stars, arrêtez de supplier, on n'a pas de secret. C'est vous qui donnez même la force à certaines personnes de venir nous manquer le respect. Parce que dès qu'une personne vient là s'énerver, fait semblant comme s'il a trop de choses à faire, vous commencez à supplier. Ouais, pardon, il faut appeler. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça quoi? Ne fais pas ça quoi? Hein? Pourquoi qu'on est bête? Quand quelqu'un dit que je veux parler, laissez la personne parler. Dis tout ce que tu as dans le cœur. Dis ce que tu as dans le cœur et puis tu fiches quand tu vas où tu veux. C'est quoi? Toujours les chantages. Hein? C'était que ça avait fait que. C'était que ça avait fait que. On en a marre, dit donc, fichez-nous le camp. Hein? C'est quoi? Sorti combien? J'ai quoi l'impression que. Ah! Les gens sont là, mon frère. Les gens sont là toujours dans les petits micmacs. Toujours dans les petits trucs à faire comme s'il y avait un secret. Vous ne nous avez pas encore insulté quoi sur Facebook là? De vous à moi. Qu'est-ce que vous ne nous avez pas encore sorti? En race, merde. Tout ça à cause de Facebook, vous voyez, non. Il doit sortir. Normalement, il est sorti.
Hein? C'est quoi? Les fans là, vous savez quoi? Sur Facebook que vous voyez là, je vais vous dire la vérité. Je ne me suis jamais levé matin et demandé à une de nos, à une collègue quelconque que pourquoi tu parles avec elle. Pourquoi? Chacun est libre de parler avec qui il veut. Mais tout ce qu'on veut, c'est le respect. C'est tout. C'est tout. C'est quoi les chantages à deux balles? Vous suppliez, non? Pardon, passe un coup de fil. Il faut appeler. Appeler pour dire quoi? Quand les gens ont les choses dans le cœur, quoi que vous fassiez, hein? Quand les gens ont à dire, laissez ces personnes parler pour se libérer, ça passe. Pourquoi vous croyez toujours que le seul secret qu'on peut avoir dans la vie avec quelqu'un, c'est d'avoir comploté pour tuer quelqu'un? Mais ce dont le Congo, ça, tout le monde fait. Dans la guerre, il y a les stratégies de guerre. Dans la guerre, chacun fait la stratégie comme il veut. Chacun fait sa stratégie de guerre comme il veut. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Dès qu'on sort, qu'on s'amuse, qu'on a le sourire, ça vous énerve. Mais vous pouvez vous lever aussi, aller vous amuser. Vous avez des amis autour de vous. Hein? Dès qu'on veut s'amuser, ça vous résonne. Hein? Un petit, chacun se lève et l'interprète. Un petit, oh, j'avais insulté tel au nom de tel. Non. Si moi je me lève pour insulter quelqu'un, j'assume. Arrêtez de dire que vous faites au nom de. Vous n'êtes pas des enfants. C'est vous-même que vous voulez faire pour venir, pour vous faire voir, pour vous faire aimer. Alors, quand ça ne va plus, ne venez plus dire que oui, c'est que j'avais d'abord fait telle chose, c'était au nom de tel. Non, c'est parce que vous voulez vous faire voir. On en a marre, dis donc. C'est quoi? Un week-end comme ça, on ne peut pas s'amuser tranquille. Chacun se lève, il dit ça part de son côté. Chacun se lève, il interprète. Hey, Flo de là a dit que, ouais, ça a dit que. Je vais vous dire la vérité. Sachez donc aujourd'hui, je vous dis. Mon amitié, ma paix avec ma Yamsa, c'est une place. Quand je parle d'une place, ça veut dire que c'est une place. Ça veut dire que chaque relation, c'est une place. C'est comme ça. Ce n'est pas comme si c'était une relation groupée que je vais venir demander que, oh, machin, tout ça là. Quand on s'est vu à Lille là, c'était préparé où? C'était le hasard. C'était le hasard. Et si c'était préparé qu'on va arriver. Et même tu vois ta soeur. Et puis, vous faites la paix. Tu peux appeler les gens pour commencer à leur dire que oui, je l'ai vue. J'étais assise. Elle est venue. Ça va changer quoi en fait? Nous, on appelait à se rencontrer ici là partout. Hein? On appelait à se voir. Vous qui êtes loin, 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 loin là. Là, là. Pourquoi? Pourquoi à chaque fois, quand quelqu'un veut partir d'une type, pourquoi t'appelles le Dikalo? Quand vous venez, vous nous dites. Quand vous venez dans notre type, est-ce que vous nous dites? N'est-ce pas, vous voyez, c'est même matin, vous commencez à l'insulter. Parce que vous avez profité du fait qu'il y avait le désaccord entre nous. Pour entrer parmi nous et pour mettre plus de haine. On en a marre, on est fatigué de ça. On est épuisé. Chacune veut gérer son couloir tranquillement. Merde, c'est quoi? Tous les jours, un petit truc, hein, Fleur de Lune, elle a avalé tel. Elle a parlé comme ça. Pourquoi vous voulez toujours interpréter les choses qu'on dit? Ou pas te transformer? Parce que ça ne vous plaît pas de nous voir comme ça. Hein? De nous voir comme ça. La paix est bien. Ça vous fait mal. Ça vous choque. On doit vous rendre compte. On doit vous rendre compte par rapport à quoi? Je vais sortir les invitations du voir bébé. Ça fait 2 ans que je n'ai pas vu le président, ni avec ma sister. 2 ans que je ne les ai jamais vus. Donc quand on va se voir, il va falloir appeler tout le monde pour dire que oui, on est ici là, machin, tout ça là. J'ai appelé dans le direct de Lolo l'autre jour, exprès. Ça fait 2 ans que je n'ai pas. On ne sait même pas. C'est la première fois depuis plus de 2 ans que j'ai appelé pour saluer. Est-ce que vous avez dit, vous, ils ont commencé à faire que oh, c'était des gens? Pourquoi on a peur de vous? Il y a quel secret que vous détenez? Quel secret? Il faut tout supplier, faire semblant. Pourquoi? Quand ça ne va pas, chacun prend sa route. Hein? Quand ça ne va pas, chacun dégage. C'est obligé. Mais de les gens sont, oh, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour de quoi? Nous, on a nos enfants. On a des vies privées. C'est quoi ce truc-là? C'est sur Facebook que vous venez chercher le manque d'amour. Vous avez des enfants. Vous avez des personnes dans votre vie. Hein? C'est derrière les gens que vous ne connaissez pas sur Facebook. Vous voyez seulement comme ça que vous allez chercher qu'on vous aime.
pourquoi c'est depuis combien de temps j'ai pas dit à mon homme que je t'aime. Que je n'ai pas dit que chérie, je t'aime. Mon frère, je vais faire comment? Les gens, je dis que j'ai raté la sortie de ma ville. J'ai raté, je suis obligé d'aller contourner loin. Je suis en train de rouler comme. Je vous dis, j'ai raté. Ici, là, quand tu rates, tu as raté. Hein? On ne fait pas demi-tour sur l'autoroute. C'est jusqu'à la prochaine sortie. Et la prochaine sortie, c'est dans quelle ville? Presque en train d'aller à Lille. Regardez. Il faut qu'elle sorte, mais la prochaine sortie, c'est loin. Regardez toute la route qu'elle veut faire. Je vous dis. Flexibusien. Vas-y, place-toi. Quel que soit ce qu'il y a eu avant, les alliés se parlent. Quand on est alliés, on se parle les stratégies de guerre. Vous qui vous êtes partis, vous alliez et tout et tout. Il y a les stratégies de guerre. Mais c'était avant. Quel que soit ce qui va se dire là, ça ne changera rien avec ma relation avec qui que ce soit. C'est tout. Vous n'avez pas compris. Vous ne vous avez pas encore insulté quoi. Vous avez combien de profils? Le Congo, ça c'est vous. Le ceci, c'est vous. Tout. Après demain, pour dire que les gens sont ingrats. Quand quelqu'un parle sur Facebook, mais vous êtes des spécialistes d'analyse, mon frère. Quelqu'un parle sur Facebook, ça devient que non. Elle s'adresse à qui? Et il faut analyser. Non, elle s'adresse à tel. Pourquoi? On a peur de vous. Si quelqu'un veut parler, prononce le nom. Est-ce qu'on a peur de prononcer le nom de quelqu'un? Mais pourquoi analyser si on n'a pas des arrière-pensées? Pourquoi analyser? Pourquoi analyser? Vraiment, hein, sans vous mentir, les gens qui font les directs là, hein, tous cherchent que la visibilité, tous cherchent que la stamania. Les gars là-bas chez les Lolomania là, il y a la dame là, Julien Zombi. Est-ce qu'elle fait les directs? Mais c'est un bras droit des Lolomania que tu ne peux pas imaginer. Mais elle ne fait pas les directs, elle ne cherche pas la stamania. Elle soutient sa soeur, ça n'est même plus sa star, vraiment. Il y a des choses. Après, on va se dire que les gens se gâtent avec tout le monde. Hein? Vous voyez pourquoi on refuse souvent l'aide de certaines personnes. Vous voyez donc pourquoi ça arrive de se mettre sur Facebook et dire que aux gens que non, ne venez pas parler à mon nom. Parce que demain, ça va être que, oh, tu es ingrat. Tel t'a soutenu l'autre jour comme ça. Maintenant, tu es venu, tu as répondu que, oh, ma chaise s'est montée, c'est descendu. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas. Hey, je vais faire comment? Ouh, je me suis trompé. Hey. Arrêtons un peu. Les abeilles, vous, j'ai quelque chose à vous dire. Hein. Vous savez, il y a des choses que quand on voit, on reste tranquille. Vous n'êtes pas obligé de tout commenter. Vous n'êtes pas obligé de tout commenter. Parce qu'on m'a dit demain que oh, vous avez, c'est à cause de vous que oh, hein, à cause de vous que c'est monté, c'est descendu. Les abeilles ont fait la manipulation. C'est monté, c'est descendu. Qui est bête? Les autres ne voient pas. Les appels de balles. Vous pensez que nous sur Facebook, là, moi personnellement, hein, je n'ai jamais dit à quelqu'un que ne parle pas avec elle. C'est monté, c'est descendu. Non, pourquoi? Tu parles avec qui tu veux, mais tu fais attention, c'est tout. On a nos fans qui sont là. Fleur de Lille, là, voilà, la paix n'a même pas encore fait une journée. Elle a dit que, elle t'a parlé, elle t'a commandé. Maman, dans quoi? Je dis les choses pour protéger ma âme sœur, pour la protéger. Oui, maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Au moins, moi, je lui ai dit que, c'est, voilà, ma pensée. Où est le problème? Où est le problème? Vous voyez que quand on aime quelqu'un, on peut analyser ce genre de choses. Pourquoi vous prenez tout ce qui est mauvais dans ce qu'on dit pour aller traduire? Pourquoi dans tout, vous n'avez pas pris ce qui était bon? Pourquoi vous prenez seulement ce que... Et puis il y a la compréhension. Hey, je vais sortir comment? Hey, je vais aller sortir. Oh. Les gens sont là, mon frère. Un petit truc comme ça. Comme ça, même s'ils sortent ici, ça ne change rien. Même en sortant ici, c'est rien. Prochain village qu'elle veut voir, il doit sortir et faire demi-tour. Ah non, restez avec moi. C'est comme ça que ça a été la dernière fois. Oh, on a dit que
Oh, ça a monté, c'est descendu. Les Lolomaniens donnent les étoiles. Hein. Ce n'est pas qu'ils donnent les étoiles. Hein. Quand les gens voient ça, ils se disent que c'est à eux qu'on doit donner ou bien on va diviser moitié. Pourquoi? Quand on insulte Lolo, là, c'est vous qui encaissez. C'est vous qui encaissez. Vous défendez, mais là, sa bouche, le jour qu'elle va se reposer, ça arrange avec ta soeur. Pardon, ne fais pas ça, ne fais pas ça. La soeur qui a fait. Tu as que j'ai dit, tu veux parler, tu parles. Vous venez insulter les gens, vous mettez toute votre énergie, tout votre gousien. Après demain, ça devient que non. Je faisais même d'abord ça que pour tel. Non, tel ne m'avait rien fait. Ah bon? Ah. Ça veut dire que je vois que je n'avais rien fait. Hein? Ça ne change rien. C'était avant, on est en paix. Il faut laisser. Il faut laisser. Pardon, casse. Il faut laisser. Ce que tu as fait là, il faut laisser ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même s'il fallait faire une sortie, tu n'attends pas quand ta soeur est dans une soirée que ce sont ses premières sorties qu'elle s'en va enjoy vraiment. Une sortie, comment c'est pourquoi? Pour la déstabiliser, pour qu'elle ne s'amuse pas. Mais elle s'est amusée correctement et bien. Hein? Analyser un truc comme ça, c'est pas bien. Est-ce qu'elle est obligée de parler avec toi? Elle n'est pas obligée. Tu as tes amis. Et même pour aller à la canne, si tu avais besoin de, tu payes ton billet, tu parles. Quand on fait les choses comme ça, Madokas, ça fait que les gens commencent à se moquer de toi, que tu peux payer ton billet, tu peux en Côte d'Ivoire. Si vous marchez ensemble, vous vous connaissez même, vous êtes déjà vu. Quand on fait comme ça, c'est pas bien. Tu peux attendre, finir sa soirée, et puis tu lui passes, tu as lui dit, je sais pas, ils sont obligés que vous soyez amis. Quelqu'un de Facebook, hein? Tu veux que le gars voit une personne de Facebook? Peut-être aider avec toi, ou bien, hein? Peut-être pour aider avec son gnasseur de dernier. Elle dit que non, 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 moi, tes choses de Facebook là, je ne veux pas. Maintenant, elle ne peut pas venir te dire que, oh, un de ces bons gars a dit que, pardon, moi, ces choses de Facebook là, je ne veux pas. Il y a les gens comme ça, oui. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, et que, non, pardon. Quand elle va venir là, elle va dire que, oui, je te présente ma collègue Facebook, c'est Mado. Le gars va dire que, Mado. Et puis, vous allez marcher ensemble, monter, descendre. Hein? Tu pouvais aller dans ton coin, tu pouvais prendre ton billet, tu pars. Ouais, les habitués de Facebook, c'est. Ouais. Donc, tu m'as insulté pour rien, tu reconnais. Gratuitement, parce que c'était ça. Il y a monsieur du village. Là, c'était alors les choses du village. Tu ne peux pas dire que c'est à cause d'elle. Tu m'avais insulté avant pendant la. Je suis ici. Tu m'avais insulté avant pendant la. Pendant le conseil de Lady Ponce, pour rien, j'ai dit que la main, si je lui ai fait pas rien. Tu as rappelé qu'on se reconnaissait aux États-Unis, je ne me rappelais même pas. Je me rappelais pour dire que ne la connaît pas moi. Hein. Dans le temps là, c'est tout elle qui t'a envoyé. Après, tu as recommencé encore là, là. Après, tu es revenu. Elle m'a supporté. C'est même pas qu'elle avait supporté. Elle dit que non, ce n'est pas comme ça. Du coup, tu as changé de côté. Commencé encore à m'insulter. La mère, c'était l'affaire du coquille. Oui, tu avais le problème avec Nicole. Oui, l'affaire du coquille. Vous étiez amie. Elle était d'abord ta fille. Nicole était d'abord ta fille, non, ma? Elle était d'abord ta fille. Ça n'a rien à voir. Elle, c'était Lolo. Hein? Ouais. Maman, regardez loin là où je vais faire demi-tour. Maman, elle dit que mais, quand tu rates l'autoroute, ça dit que quoi? Il faut mettre le ticket. Eh. Mado, n'est-ce pas c'était Nicole était ta fille? J'ai dit qu'elle était. Elle était même ta famille. Nicole était ta famille, non la mère. Parce qu'il y a eu l'affaire. Comment est-ce que la famille? Parce que vous vous rendez visite. C'est l'histoire du coquille qui a tout gâté. Regardez Facebook. Hey. Les gens de Facebook. C'était l'affaire du coquille. On a discuté l'affaire du coquille là ici. Ma est-ce que c'est toi qui as acheté le problème de Lolo? Ouais, il y a un panneau, il faut reconnaître ta soeur. Pardon, fais ta soeur. Appelle ta grand-mère. C'est là où c'est sorti qu'il y a même la fête de la famille, c'est ça. Et la grand-mère. Pardon, il faut. Mayam, il faut appeler ta grand-mère, pardon. Ta grand-mère. Hey, tu voulais qu'on vienne te demander pour que tu déconseilles l'appel. Les gens. Attendez, c'est noir. Il faut que je.
Je cherche l'autoroute en fait. Il faut que je retourne comme c'est parti à Paris. Merde. Il fait comment mais il doit retourner comme si je partais. Je ne peux pas avoir la compagnie de Paris. Les gens, vous voyez ce que ça m'a fait. Donc j'ai payé l'autoroute comme je me suis trompée. J'ai payé, je suis sorti. Maintenant, il doit encore ranger. Je dois maintenant rentrer de ce côté pour repartir à Paris. Il faut voir quand m'a donné. Oui, je vais vous décrypter. Elle a pris l'ondop. L'ondop, elle a mis sur le cou. On deuil. Je voudrais qu'on vienne te dire que oui, il a pas avec. Pourquoi tu dises que non? Non, on est fatigué de ça. Hein? Je te demande d'abord par rapport à quoi? Quand quelque chose arrive, que c'est le. Quelque chose qu'on n'a pas prévu, elle doit te demander, ma. Ah, wonderful. Ouais, Lolo, tu souffres, hein? Maman, tu souffres avec tes. Mayam, tu souffres avec tes alliés là-haut. Maman, pardon, la prochaine fois que quelqu'un passe la caméra, hein? Je dis que non. Le soutien est bon, mais laissez comme ça avec. Non. Maman, toute une vie. Ah. Le seul qui n'est pas encore sorti dit que oh, j'étais soutenu, c'est le pasteur supérieur. Et comme c'est un homme, je suis sûr qu'il ne fera pas ça. Il ne pourra pas faire ça. Ah, oh, je peux laisser. Arrange avec ta yam, arrange avec ta grand-mère. Arrange avec elle. C'est vous qui donnez souvent même le bâton au détracteur pour nous fêter. Vraiment. Je connais une là-bas, ma frigo. Elle va jubiler l'autre ici jusqu'à passer. Hé! Hey. Pardon, si tu veux, tu parles avec ma frigo, non? Avec tous ces gens-là. Donc, pourquoi vous dites que vous allez parler avec elle? Comme si. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas dans vos alliances. Le contrat qu'il y a eu. Hein. Parce que nous sommes en mode de paix. Tu es libre de parler avec qui tu veux. Mais quand tu avais dit à ton allié que oui, maintenant tu vas même parler avec elle, tu vas pas. Mais attends, tu n'es pas un enfant, tu es même une femme mariée. Tu peux parler avec qui tu veux. Tu es même bien placé comme une grande soeur pour nous faire la paix. Pour réunir tout le monde. Ça, c'est le rôle même des grandes soeurs. Hein? Oui. Comment tu parles avec qui tu veux, non? Ou bien elle va se fâcher. Est-ce que parler avec quelqu'un veut dire que vous parlez de. Est-ce que parler avec quelqu'un veut dire que vous parlez de. Je ne sais pas, des autres personnes, non? Moi, par exemple, la veuve, je sais que. Elle avec ma collègue compresseur, ça ne donne pas. Mais la veuve, je pars chez elle. Et même elle compresseur, c'est que la veuve, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc ce n'est même pas comme si on va s'asseoir, on parle de la veuve que oui. Oui. Jamais je vais voir où on insulte une personne avec qui je suis en paix. Je ne vais jamais partager. Même si c'est pas regardé, même si c'est bon à moi, je ne regarde, je ne partage pas. Par respect même pour vous. Non, fan. Vous voyez un peu, non? Donc je ne vois pas, est-ce qu'elle va donner la permission pour aller, si elle va aller chez la veuve, ou bien la veuve quand elle veut me laver, elle me lave. Mais on est ensemble, elle est comme ça. Je n'accepte pas forcément tout ce qu'elle fait, mais je n'ai pas besoin de demander la permission. Que oui, tu vois comment je peux parler à la veuve, pourquoi? C'est pas comme ça que ça se passe la vie, les filles. C'est pas comme ça, c'est vous qui analysez les choses qu'il ne faut pas, non? Chacun est libre de parler avec qui il veut. C'est tout. Vous croyez que nous, là, on a trop le temps pour les autres, il faut parler avec les gens.